Dallas Archer, 19 ans, a été arrêté lundi dans le Tennessee pour conduite sans permis et a fini par être accusé de possession d'armes. Alors comment c'est arrivé ? Bon, Archer était au volant et zigzaguait quand il s'est fait arrêter par une patrouille lundi après-midi. Lorsque l'agent a vérifié son permis, il s'est aperçu qu'il avait été suspendu. Elle a donc été arrêtée. Arrivé au commissariat, Archer a été soumise à une fouille à nu. C'est alors que la geôlière a découvert un revolver chargé et caché dans son minou. Il s'est avéré que le pistolet avait été volé en 2013. Bref, c'est seulement quand elle s'est fait arrêter qu'elle a décidé de le ranger dans son étui de transport. Maintenant, afin de pouvoir ressortir de tôle, l'Archer doit payer une caution de 4 500 euros.